Voilà Dieu, c'est vraiment un moment très spécial. Il y a une présence de Dieu qui est en train d'envahir nos maisons là où nous sommes. Commence à parler à Dieu. Il y a une vie, il y a une force, il y a une énergie spirituelle qui est en train de descendre dans nos maisons. Le Saint-Esprit est en train de soutenir, de fortifier. Voilà Dieu, dit Seigneur, je veux être comme Daniel. La soif de Dieu qui est en moi, je ne veux pas la perdre. Ce désir, je veux le garder. Ce désir, je veux le garder. Je ne veux pour rien au monde, pour rien du tout, pour rien du tout. Mon désir est que moi et ma famille, nous soyons sauvés comme Paul a dit au centenier. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Concentre-toi et parle à Dieu. Pour ta soeur, dis Seigneur, je te bénis pour mon frère qui prie dans cette assemblée, pour ma soeur qui prie dans cette assemblée. Dis Seigneur, je te bénis pour sa vie, je te rends grâce pour sa vie. Dis Seigneur, je te remercie de l'avoir connu. Je te remercie parce que je suis enfant de Dieu. Je te remercie, Tana de papa. Ah, j'aime Jésus, j'aime la présence de Dieu. Je te remercie, Tana. Dis à Dieu, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as mis à mon frère, ce que tu as mis à ma soeur. Tu as mis un trésor en lui, tu as mis un trésor en elle. Dis Seigneur, je te remercie. Élève ta voix là où tu es ma soeur. Et rends grâce à Dieu, rendons grâce au Père. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je remercie Dieu parce que Dieu a mis un trésor en ton frère et en ta soeur. Dis Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur bientôt. Dis Seigneur, je te remercie pour la bénédiction que tu vas accorder à mon frère et à ma soeur bientôt. Je te remercie pour ta lumière qui va briller, qui est en train de briller, qui va briller encore dans la vie de mon frère et de ma soeur bientôt. De mon frère et ma soeur, je te remercie, Père Dieu, Papa. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen. Dans tout le nom de Jésus. Chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 6. Saint-Esprit, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Oh Dieu, nos cœurs, Seigneur, te remercient. Tu t'adores, Seigneur, merci. Apocalypse chapitre 21, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Il est écrit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Alléluia. Garde ta soif, mon frère, ma soeur. Ne perds pas ta soif de Dieu. Garde ta soif de Dieu. Ne perds pas ta soif de Dieu. Alléluia. On dit que la première terre avait disparu. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. On dit, et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. On dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles.
Et il dit, écris, c'est écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Mm-hmm. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. Oh, quelle belle parole, quelle belle promesse de Dieu. Mon frère, je vais te dire, ces choses, ce n'est pas pour le futur. C'est pour maintenant. Tu vas commencer par les expérimenter sur cette terre avant qu'on aille au ciel. Alléluia. Amen. Nous allons refaire la lecture. Ah, c'est beau cette parole. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire celui qui dit, celui qui a parlé en premier et celui qui a le dernier mot. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il va terminer cette belle parole que nous sommes en train de lire en disant, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui a soif de quoi? Celui qui a soif de ces choses que nous sommes en train de lire. Alléluia. J'ai soif de voir un nouveau ciel. Toi aussi, tu as soif de voir un autre ciel dans ta vie. Tu as soif d'une nouvelle terre. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie, et va dans un pays que je te montrerai. Abraham avait soif d'une autre terre. Dis, j'ai soif d'une autre terre. Dis, j'ai soif d'une autre terre. J'ai soif d'un autre ciel. Alléluia. Les assoiffés de Dieu sont premièrement des hommes et des femmes qui ont soif, premièrement, d'un autre ciel, d'une autre terre. Alléluia. Parce que le premier ciel que toi et moi nous connaissons, c'est un ciel où il y a des lois physiques et spirituelles qui règnent, qui dominent, que Dieu lui-même a établies et qui sont aussi issues des conséquences du péché de Adam et Ève, du péché de l'humanité. Alléluia. Il y a quelque chose qu'on appelle la mort. Il y a quelque chose qu'on appelle le deuil. Il y a quelque chose qu'on appelle les angoisses. Il y a quelque chose qu'on appelle les tristesses. Vous voyez, la Bible nous dira que il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Alléluia. J'ai soif d'un autre ciel, d'une nouvelle terre. J'ai soif d'une terre où, voilà, la paix va régner. J'ai soif, oh Jésus, d'une nouvelle ville où je n'aurai plus besoin du soleil de ce monde. Je n'aurai plus besoin d'allumer une lampe parce que la Bible dit Dieu lui-même sera la lampe. Alléluia. Dieu lui-même sera notre lampe. Sa gloire va nous éclairer. La gloire de Dieu va nous éclairer. Oh Dieu, mon frère, ma soeur. On dit, la mer n'était plus, la mer a disparu. Donc il n'y a plus ce que tu as, ah je vais me noyer, ah je risque de me noyer. Non, personne ne viendra pour prendre une partie de ta terre. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Mais la mer a pris une partie aussi de cette terre. Vous savez que la mer occupe une partie de la surface de la terre. On est d'accord? Amen. Des fois, il y a des gens,
de la mer. Mais à cause de l'érosion côtière, l'eau a tout pris, tout avalé. Et tout ça, c'est les conséquences du péché de l'homme. Vous voyez? Et mais Dieu est en train de nous promettre une nouvelle terre, un nouveau ciel, vous voyez, et où la mer ne sera plus, n'existera plus. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'il y ait la mer. Non. Qui m'entend ce soir? Il existe une terre. Je vais te dire quelque part, mon frère, ma soeur, qu'il existe une terre qui t'est réservée quelque part. Une terre de bénédiction. Une terre où tu vas prospérer. Une terre où tu vas germer comme une semence qui porte la vie. Oh Jésus. Je veux te dire, mon frère, il y a une terre que Dieu t'a préparée où tu auras une descendance, où tu auras une prospérité. Il y a une terre où Dieu, tu vas connaître l'amour de Dieu, tu vas vivre l'amour de Dieu, tu vas voir la bonté de Dieu. Ce que tu as tant désiré, mais que le monde ne t'avait pas donné. Je vais te dire ce soir qu'il y a une terre que Dieu t'a préparée où tout va marcher. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je te dis, garde la soif qui est en toi. Parce que ceux qu'on appelle les assoiffés de Dieu, c'est d'abord ceux qui ont soif. Mais ils ont soif de quoi? Ils ont soif comme Abraham d'une autre terre. Amen. Abraham a soif d'une autre terre. Amen. Quand on lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, il n'a pas hésité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira que s'ils avaient eu le désir de retourner, ils avaient eu tout le temps pour retourner. Vous voyez? Mais ils ne sont pas retournés parce qu'ils désirent une autre terre. Ils aspirent à un autre ciel. Ils désirent une autre terre. Donc, c'est Dieu lui-même qui est l'auteur, le constructeur de cette terre, le bâtisseur, le fondateur, la fondation de cette terre, la racine. C'est Dieu lui-même qui est cette terre. C'est la présence de Dieu où rien ne peut pourrir. C'est une terre où il n'y a pas de. En fait, il ne peut pas y avoir de sécheresse. C'est une terre où il n'y a pas de petitesse. Tout est grand. Amen. Tout est parfait. Tout est glorieux. Tout est beau. Tu sèmes, tu vas moissonner. Alléluia. C'est une terre où tu auras le repos. C'est une terre où tu vas vivre la joie, le bonheur. Alléluia. Oh, garde ta soif de Jésus. Ne perds pas la soif qui est dans ton cœur. Ce qui est en toi et que Dieu a mis en toi, mon frère, et qui fait que tout le temps tu te connais, tout le temps tu te déplaces pour venir à la prière, ne perds pas ta soif. Alléluia. Ne laisse personne enlever cette soif par des critiques, par des murmures, par des comportements bizarres. Il y a des gens aujourd'hui qui, en fait, que le diable envoie, le diable a mandaté pour t'enlever cette soif, pour refroidir la soif qui est en toi. Non, dis non, je ne perdrai pas ma soif. Dis-le. Oh mon frère, je sens la grâce de Dieu. Le Seigneur veut, il a une nouvelle terre pour toi. Et le Saint-Esprit met cette parole dans mon cœur. Je te l'annonce d'avance que Dieu t'a réservé une terre. Amen, amen, amen. Dieu t'a réservé une terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Il y a une terre pour toi que Dieu va t'amener. Alléluia. Amen. Dis, je possède ma terre. Je possède ma terre. Ah, tu ne fais pas bien. Oui. Tu croises les bras et tu veux posséder comme ça. Ah, mes chers amis, dis, je possède ma terre. Possède-le, prends-le. Dis, je récupère ma terre. Attendez, prenons toujours Apocalypse chapitre 22. On va lire le verset 16 et 17. Apocalypse 22, versets 16 et 17. Il est écrit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens !» Et que celui qui entend dise, « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Alléluia. Amen. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuite.
Amen. De la part de Dieu, Amen. Dieu t'a réservé une terre. Je te Amen. Dis, Dieu t'a réservé un ciel. Il y a une terre où tu vas prospérer. Amen. Dieu va te mettre au large. Amen. Dieu va te, il va étendre tes limites. Dieu va te faire prospérer. Amen. Amen. Mon frère, il y a une terre pour toi. Je te dis la vérité. Il y a une terre pour moi. Jésus dit heureux ceux qui ont soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Ah, Jésus. Regardez avec moi Hébreux 11, le verset 13. La Bible dit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Dis une patrie. Une terre. La patrie, c'est la terre. Hein? C'est la terre. La terre où on va dire, oui, on va, en fait, on va écrire ton nom sur cette terre-là. On va inscrire ton nom. On va écrire ton nom, ton identité, ton odeur sera sur cette terre. Oh, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est la terre que Dieu t'a préparée, ma soeur, mon frère, toi qui m'entends ce soir, je te parle en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'évangéliste. Je te dis, mon frère, il y a une terre que Dieu a préparée pour toi. Non, non, oh, mon frère, non, non, parce que Dieu est bon. Je me réjouis de ce que Dieu a déposé en toi, de ce que Dieu a mis une semence qui ne peut pas mourir en toi. Dieu a mis en toi une semence qui porte la vie Amen. Et qui va Amen. Germer. Alléluia. Amen. Tu as besoin juste d'une terre qu'on te dépose dans la bonne terre. Et ce soir, Amen. Dieu va te positionner dans la terre qu'il te faut. Amen. Il avait dit aux enfants d'Israël, je vais vous emmener, je vous fais sortir de l'Égypte et je vous emmène dans une terre promise. Il y a une terre promise pour toi. Amen. Ce ciel que tu avais connu, cette terre où tu avais grandi, cette terre de souffrance où tu es né, cette terre de malheur que tu as connue, ce soir Dieu va changer cette terre. Dieu va te déplacer de la terre de malheur et de souffrance et te transporter dans une terre de lumière et de gloire, de prospérité et de richesse et de réussite, de succès, une terre où tu vas croître et prospérer. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous voyez? Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Tu vois? C'est ce que je te dis. La Bible dit que Dieu leur a préparé une cité. Dieu leur a préparé une terre. Dieu leur a préparé un ciel. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener dans une terre promise, une nouvelle terre où coule le lait et le miel, une terre où il y a la vie. Il y a une terre qui est réservée pour toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute ce soir. Donc ceux qui sont assoiffés de Dieu, c'est des personnes qui cherchent une terre, Amen. Un ciel. Amen. Vous m'entendez ce soir? Amen. Ils cherchent une ville. Ils cherchent un endroit où ils vont prospérer. Ils recherchent justement une paix, une joie. Mais que ce soit la paix, la joie, le bonheur, la prospérité, la santé, la sécurité, la richesse, je ne sais pas quoi. Toute bénédiction que tu cherches est toujours attachée à une terre et à un ciel. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La bénédiction est toujours attachée à une terre et à un ciel. Si ton ciel est béni, tu seras béni. Alléluia. Si ta terre est bénie, tu seras aussi béni. Et ce soir, je viens bénir ta terre. Je vais le dire autrement. En fait, l'ancienne terre que tu avais connue, une terre de malédiction et de malheur et d'échec, de souffrance, de difficulté, ce soir, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous venons t'enlever, te déplacer, de te déloger. Nous, en fait,
Daniel de résister. Donne-moi d'être comme moi, Shadrach, Meshach et Abednego. Donne-moi d'être comme Joseph, comme Élie. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes qui avaient soif. Des hommes qui avaient soif d'une présence, qui avaient soif de Dieu, qui avaient soif d'une terre et que Dieu leur avait donné. Amen. Daniel à Babylone, malgré que c'était dans un pays étranger, malgré qu'il y avait l'opposition, malgré qu'il y avait les satanistes, mais Daniel a prospéré au milieu des sorciers, au milieu des satanistes, au milieu des magiciens. Daniel a été élevé. Le nom de Daniel est devenu grand. Et je te dis, mon frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ, peu importe là où tu es, peu importe là où tu es, je te dis, à cause de ce... Il y a un sable, le sable de ta terre, le sable de la terre céleste qui vient dans ta vie et qui va chasser les ténèbres, peu importe là où tu vas être positionné par le Saint-Esprit, par l'Esprit qui anime, qui est en moi, l'Esprit de Yahweh, tu vas prospérer. Au milieu des sorciers, tu vas croître, tu vas prospérer. Mon frère, je suis content parce que Dieu t'aime. Je suis content parce que Dieu t'a choisi. Mon frère, je me réjouis parce que Dieu te connaît. Je me réjouis parce que Jésus te connaît. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Ce n'est pas moi qui peux te sauver. Mais celui qui peut te sauver s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui touche les cœurs, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui convainc les cœurs, c'est Jésus. Alléluia. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as entendu un nom. Le nom qui est le plus beau. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua Amashia, le lion de la tribu de Juda. Il est mon maître. Il est mon employeur. Il est celui qui me paye. Il est notre Seigneur et notre roi. Il est notre avocat, notre appui, notre soutien, notre bénédiction, notre sanctification, notre justice, notre délivrance. Il est notre gloire. Il est notre lumière. Il est plus que le soleil. Il éclaire nos vies. Sa présence suffit. Son nom suffit. Je te dis, mon frère, garde la soif que tu as en cet homme, en ce monsieur. Ce monsieur qui était né il y a plus de 2000 ans. Il a marché quelque part sur cette terre qu'on appelle Galilée. Mais ma Bible me dit qu'il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien aux hommes. Il y avait un homme du nom de Corneille. Ma Bible me dit cet homme avait une soif dans son cœur. Il n'avait jamais vu Jésus, mais il aimait Dieu. Il avait soif de Dieu. Chaque jour, Corneille n'arrêtait pas de faire des aumônes. N'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de lire la Bible. N'arrête pas de jeûner. Parce que ça payera. Celui qui est assis sur son trône, il voit, il regarde, il va te rendre au centuple. Je te dis, mon frère, Dieu va t'exaucer. On avait vu mardi, quand tous les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ce n'est pas une parole simple qu'il faut négliger, non. C'est la vérité. Parce qu'il est lumière. Il est impossible que tu t'accroches à Jésus et que ta vie reste la même. Non, que les hommes ne te trompent pas. Que ceux qui s'appellent je ne sais pas quoi te trompent pas. Non. Mais Jésus est la vie. Lui-même a dit, celui qui me suit, il aura la lumière de la vie. Amen. Corneille avait soif. Corneille avait soif. Jusqu'au jour où ma Bible me dit, pendant qu'il était en train de prier un jour, un ange est descendu. Je dis que ce soit l'ange descend pour amen. Toi. Amen. Oh, je dis que ce soit un ange descend amen. Pour toi. Oh, je répète. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, Dieu n'a pas de limite. Dieu n'est pas limité par les ondes. Dieu n'est pas limité par Internet. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, c'est-à-dire le très haut, c'est-à-dire le Dieu qui n'a pas de limite. Il est omniscient. Amen. 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 Dieu, il te voit, il te connaît. Où que tu sois, ce soir, un ange descend amen. Dans ta maison. Amen. Un ange qui vient avec une bénédiction. Amen. Vous savez, quand on parle des anges, il y a des anges guerriers,
ce n'est pas le message. On va pas enseigner un message sur les anges, mais c'est qu'il y a des anges pour les bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Qui descendent avec des bénédictions. Et quand il y a un message comme ça, c'est qu'il y a un ange qui tient. Amen. Le cadeau que tu attendais, le bébé que tu voulais, amen, le papier que tu voulais. Amen. Je ne amen sais pas ce que tu cherches, amen, le travail que tu cherchais. Amen. Je ne sais pas la promotion amen que tu voulais, amen, les finances que tu cherchais pour amen commencer un commerce, pour commencer je ne sais pas quoi. Amen. Peu importe ce que tu le fais amen et que tu étais là en train de soupirer dans ton cœur, il y a un Dieu qui amen s'appelle le secours des malheureux. Amen. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Il y a un Dieu qui est plus grand que tout. Amen. Et ce soir, il y a un ange qui vient amen avec le cadeau pour toi. Amen. Parce que Dieu a préparé pour toi amen une terre de prospérité, une terre de bénédiction. Amen. Dieu a préparé un nouveau ciel. Amen. Si c'est la restauration que tu désires, prends-la ce soir, mon frère, au nom de Jésus. Prends-la, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Je te prie à chacun. Amen. Là où il y a la gloire de Dieu, aucune plante ne peut résister. Là où il y a la gloire de l'Éternel, et je te dis ce soir, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est dans ta vie. La gloire de Dieu est parmi nous. La gloire qui est ici traverse les micros, traverse les murs. Elle vient te toucher, toucher ta maison, toucher ta vie. Elle vient éclairer, écarter, libérer les chemins. Amen. Tu vas marcher sur de l'or comme jamais on n'a marché. Amen. Tu vas expérimenter la puissance, la gloire de Dieu comme jamais on n'a expérimenté. Amen. Tu vas marcher sur le diamant. Amen. Aucun homme n'a encore le fait. Amen. Tu vas marcher sur le succès. Le succès va t'accompagner. Amen. Il a dit voici les signes et les miracles qui accompagneront amen ceux qui ont cru, amen, ceux qui ont soif. Amen. Et je te dis ce soir, je viens déclencher amen une activité de miracle, de miracle extraordinaire dans ta vie, une activité de miracle. Je viens précipiter au nom de Jésus. J'active ce miracle. J'active, j'active, j'active. Amen. Mon frère. N'est-ce pas de toi qu'il est question? Amen. N'est-ce pas de toi qu'il est question? Amen, amen. N'est-ce pas de toi que l'ange avait parlé? Amen. N'est-ce pas de toi que l'esprit avait parlé? Amen. N'est-ce pas de toi qu'il était question? Amen. C'est de toi qu'il est question. Amen. C'est de toi que l'ange a parlé. Amen. C'est pour toi cette parole. Amen. C'est pour toi qu'il est descendu. Amen. Et il vient pour changer ton histoire. Amen. Il vient pour changer ta amen vie. Amen. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Amen. On a lu, il essuiera toute larme. Tu as longtemps pleuré, tu as beaucoup pleuré, tu as trop pleuré. Eh bien, laisse-moi te dire, si on te l'avait jamais dit, laisse-moi te dire, en tant qu'envoyé de Dieu, que le Dieu que je prêche est le Dieu qui essuie les larmes, le Dieu que je prêche, même quand tu auras un peu de sueur, Dieu viendra essuyer. Il va essuyer ton front, il va essuyer tes larmes. Tu ne pleureras plus pour les mêmes choses. Tu ne pleureras plus pour les mêmes situations. Tu ne pleureras plus pour ce problème. Parce que Dieu vient t'enlever de cette terre. Il vient t'enlever. Il vient changer le ciel au-dessus de ta tête. Aujourd'hui, aujourd'hui, le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Et Jésus a dit, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montent et descendent. Et je te dis ce soir, Dieu va faire dans ta vie, ça va étonner le monde. Que tes ennemis commencent par se rassembler. Mais je te dis, il peut venir par 1000 chemins, il peut venir par 25 chemins, il peut venir par 10 000 chemins. Mais je sais que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne peux pas être atteint. Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau de Dieu qui a ôté tes péchés, qui a ôté ton incrédulité,
dès ton malheur, il veille sur ta vie, il se lève pour toi, il se lève pour te justifier, il se lève pour plaider ta cause. Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel, il parlera en ta faveur. Aucun homme ne peut te condamner. Je dis aucun sorcier, je parle au monde spirituel, je viens opérer dans l'esprit pour toi. Je parle sur ta vie, je dégage ton esprit, je dégage l'atmosphère autour de ton esprit, de ton âme. Merci, l'ange parle de toi, l'ange est en train de parler de toi, l'ange est en train de parler de toi. C'est toi qui es l'heureuse, c'est toi qui es la bienheureuse ce soir, c'est toi qui es l'élu, c'est toi qui es le choisi. Oh, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, c'est toi, c'est de toi qu'il est question. L'ange est en train de parler de toi. L'ange est en train de parler de toi. Peu importe ton ciel, peu importe la terre où tu étais, à cause de la soif qui est en toi, à cause de la soif qui est en toi, Jésus-Christ change ta terre, Jésus-Christ change ton ciel. Alléluia. Ah, ouais. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux, heureuse celle qui a cru, celui qui a cru. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 5. J'aime la grâce de Dieu. Je sens une grâce de Dieu ce soir. Je me réjouis pour toi, mon frère, parce que je t'aime de l'amour de Christ. J'ai été envoyé pour te bénir. J'ai été choisi pour ce moment. J'ai été établi pour te bénir. Alléluia. Oh mon frère, je te bénis ce soir. Tu vas voir, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Je te bénis. Oh mon frère, ma soeur, je te bénis. Je bénis ton départ et ton retour. Je bénis ton sommeil. Je bénis tes mains. Je bénis tes entrailles. Je bénis tes activités. Je bénis même tes yeux, tes regards. Je bénis tes lèvres et ta bouche. Je bénis tes oreilles. Je bénis tes cheveux. Même tes cheveux sont comptés. Oui, le Dieu que je prie, il sait compter même tous tes cheveux. Tu ne passes pas inaperçu. Il te connaît et il bénit tout. Il bénit ta vie. Mystérieuse dans ta vie. Amen. Tu ne peux que réussir. Amen. Tu ne peux que réussir. Amen. Tu ne peux que réussir. J'exige et je commande la réussite dans ta vie. Je te condamne à réussir par la parole au nom de Jésus. Je te condamne à réussir. Je te condamne à prospérer. Je te condamne à réussir. Moi, je te condamne. Dieu te condamne à réussir. Tu n'as pas le choix, ma soeur. Tu n'as pas le choix, mon frère. Tu es obligé de réussir. Amen. Tu es obligé d'avancer. Amen. Tu es obligé de progresser. Amen. Tu es obligé de prospérer. Tu es obligé de croître. Même si toi-même, tu ne le voulais pas, la puissance de Dieu va commencer par t'agiter. Il y a une main qui va commencer par t'agiter. Oh, il va t'amener là où tu ne peux pas. Mais tu vas réussir. Il va te faire sortir. Il va te faire sortir. Il va te faire sortir de la maison de salubrité, de la maison de chef, de la maison de limitation. Cette maison familiale, cette maison ancienne.
Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Jésus. Ce soir, il est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. L'Esprit de Dieu est là pour toi. Ah, garde la soif. Ne perds pas ta soif. Ne perds pas ta soif. Garde la foi que tu as en Jésus. Garde le zèle que tu as. Garde le zèle que tu as pour l'œuvre de Dieu. Le zèle que tu as pour la prière. Le zèle que tu as pour la parole. Le zèle que tu as pour l'adoration. Le zèle que tu as pour le nom de Jésus. N'abandonne pas. Parce qu'il y a un prix. Il y a un prix. Il y a une récompense qui est attachée à ta soif. La soif qui est en toi. Seigneur, je prie que la soif augmente. Je le déclare. Je le dis. Pendant que je parle, que la soif augmente en toi. Que la soif augmente. Je le dis. Je le déclare. Que ta soif augmente ce soir. Que ta soif augmente. Ah, sois assoiffé de Dieu. Que la soif augmente à ton cœur. Ah, un souffle nouveau. Une vie nouvelle. Une grâce nouvelle. Une prospérité nouvelle. Et que y a ma chata. À quand la basoto. Une grâce nouvelle. Une gloire nouvelle. Une richesse nouvelle. La puissance nouvelle. Oh, soto le boche que te que tes ennemis commencent par se préparer. Même le diable ne peut pas arrêter ce que Dieu est en train de commencer dans ta vie. Je dis même le monde des ténèbres, même l'enfer, même le séjour des morts ne peut pas arrêter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui entre en activité comme un volcan qui se réveille, comme un volcan qui se réveille. La puissance qui est en toi, l'onction de Dieu qui est en toi, elle est en train d'être réveillée, elle va bouillonner en toi. Tu ne pourras pas t'arrêter, tu ne pourras pas être limité. Tu vas courir, tu vas aller loin, tu vas courir plus vite que les chevaux, tu vas courir plus vite. Je viens accélérer ta destinée, que les promesses de Dieu dans ta vie, elles commencent à s'aligner au nom de Jésus. Oui, nous avons l'autorité. Ce que nous déclarons sur la terre est déclaré dans les cieux. Il est question de toi, mon frère, ma soeur. Oh, quelle grâce! Oh, quelle présence de Dieu! Oh, quel amour de Dieu! Oh, quelle puissance de l'esprit! Quelle présence de l'esprit! L'esprit qui change les masses informes et vides et qui donne la forme. L'esprit qui vient dans une terre qui était masse informe et vide. Si hier tu étais une terre masse informe et vide, tu étais une terre qui ne pouvait pas porter une semence. Tu étais une terre où aucun arbre ne pouvait pousser, où aucun arbuste, où aucune richesse, aucune bénédiction ne pouvait germer. Mais ce soir, l'esprit vient se mouvoir au-dessus de ta vie, au-dessus de ta maison. Et je suis en train de parler pendant que je déclare, pendant que je suis en train d'annoncer, l'esprit entre en action et ta vie change. Ta situation est en train d'être changée. Je suis venu bouleverser ta vie. Je suis venu bouleverser ton histoire. Je suis venu bouleverser l'histoire de ta famille. Ah, que ta vie soit bouleversée. Que les choses dans ta vie soient bouleversées. Je bouleverse, je bouleverse, je bouleverse ta vie. Je bouleverse ta vie par la puissance de l'esprit. Par la puissance de l'esprit. Que ta vie soit bouleversée. Je bouleverse ta vie. Je bouleverse, je bouleverse. Je chamboule tout. Je chamboule. Et là où les gens pouvaient te reconnaître, je dis qu'à partir de ce soir, on ne te reconnaîtra plus. Parce que je viens changer, je viens bouleverser, je viens bouleverser. L'esprit en mouvement se saisit des paroles et accomplit des mystères, accomplit des choses. Ah, sois libre, reçois la gloire.
reçois le miracle, reçois le miracle. Le diable ne peut même pas arrêter. Je dis qui est Dieu, il ne peut même pas arrêter. Même la sorcellerie de ta famille, même les réclamations de tes ancêtres ne peuvent pas arrêter ce qui est sur le point d'arriver, ce qui est en train de se passer. Ce soir est une soirée de gloire. Ce soir est une soirée de miracle. Ce soir est une soirée spéciale. Que celui qui a soif vienne, prenne, et boive gratuitement. Jésus, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont soif. Heureux ceux qui ont soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de Jésus. Ceux qui ont faim et soif de la parole. Ceux qui ont faim et soif de la vérité. Ceux qui ont faim et soif de la crainte de Dieu. Ceux qui ont faim et soif du changement. Ceux qui ont faim et soif de la lumière. Ceux qui ont faim et soif de la vérité. Heureux es-tu. Tu es heureuse. Tu es heureux, mon frère. Tu es heureuse, amen. Tu es une bienheureuse. L'ange a dit, je te salue. Toi, ma vie, une grâce a été faite. Et je suis en train de te saluer, amen, avec l'ange ce soir. Je te salue. Toi, à qui une grâce spéciale a été faite. Ne perds pas ta soif. Heureux es-tu, heureuse es-tu. Toi qui as soif, amen. Toi qui as soif, amen. Toi qui as soif. À celui qui a soif, il sera donné. Jésus dit, celui qui a soif, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Des fleuves d'eau vive monteront en lui. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jésus, Seigneur, merci. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Non, ça veut dire simplement que tu ne manqueras de rien. Je répète dans ta vie, mon frère, tu ne manqueras de rien. Je répète encore, cette parole signifie que tu ne manqueras de rien, amen, mais que tu auras soif de Jésus. Amen. Je dis que ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Amen. Aussi longtemps que tu t'attaches à Jésus, aussi longtemps que tu crois en cette parole, aussi longtemps que tu réalises que Jésus est ton Dieu, aussi longtemps que tu es là ce soir et que tu es en train d'écouter cette parole, tu es en train de m'attendre, tu ne manqueras de rien. Je le déclare sur ta vie et sur ta famille. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Plus rien ne manquera dans ta maison. Plus rien ne manquera dans ton foyer. Plus rien ne manquera dans ta destinée. Ouvre-moi tes mains. Que je bénisse tes mains. Je dis que ces mains soient remplies. Je dis que ta tête soit remplie. Je dis que ton âme soit remplie des bénédictions de Dieu. Tu ne manqueras. Mon frère, ma soeur, ma soeur, ma soeur, ah, ma soeur, ma soeur, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien, peu importe là où tu avais un manque, peu importe là où tu avais un manque, ce soir Jésus vient combler, ce soir Jésus vient consoler. Je dis que le Saint-Esprit console, il vient combler au nom de Jésus. Alléluia. Il a
Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Amen. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Alors je déclare aux frères, peu importe les lois spirituelles qu'il y avait autour de ta vie, mais ce soir je viens établir une nouvelle loi et je t'introduis dans cette loi divine, la loi de ceux qui ne manquent de rien. Amen. Je répète, peu importe les lois spirituelles, familiales, ancestrales, environnementales, sociétales dans lesquelles tu pouvais évoluer, mais aujourd'hui, en tant qu'autorité spirituelle, opérant dans l'esprit, au milieu des esprits, avec l'esprit de Dieu et les hommes de Dieu autour de moi, étant ambassadeur du royaume des cieux sur la terre, au milieu des esprits, j'établis une nouvelle loi spirituelle dans ta vie et je t'introduis dans cette loi et je déclare que tu fais partie désormais d'une race de ceux qui vivent sur la terre mais qui ne manquent de rien. Je t'interdis de manquer au nom de Jésus. La puissance de Dieu va pouvoir, va combler, va ajouter au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui a soif, celui qui a faim, il n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, il n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif. Ça veut dire que tu ne peux pas manquer. Amen. Tu ne peux pas manquer. Amen. Parce que tu as cru. Tu as cru en la parole de Jésus. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Regardez avec moi. Jean chapitre 7. Verset 37 à 39. Seigneur, merci. J'aime Jésus. J'aime Dieu. Saint-Esprit, merci. Jean chapitre 7. C'est fini, mon frère. Tu n'es plus la même. Amen. Tu n'es plus la même. Amen. Oh, regarde, ta vie change ce soir. Amen. C'est fini. Ta vie a changé. Amen. Ta situation a changé. Amen. Oh, ta vie a changé. Amen. Les choses changent. Amen. Les choses changent. Amen. Les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mon frère, sois béni. Amen, amen. Bouleversement brutal. Au nom de Jésus. Ta vie change ce soir. Amen. Merci. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Mon Dieu, tu peux me lire s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le jour grand de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Alléluia. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je dis, l'ange est en train de dire que c'est le dernier jour où tu vas souffrir. Amen. C'est le dernier jour où tu vas voir ces choses. Amen. C'est le dernier jour où tu vas vivre ces choses. Amen. À partir de ce soir, amen, tout change. Au nom à cause de la soif qui est en toi. Amen. Au nom de Jésus. Jésus a dit, la Bible dit, le dernier jour, c'est le grand jour. C'est un jour de fête pour toi et moi. C'est un jour de fête. Un jour où tu entres dans une nouvelle terre. Amen. Un nouveau ciel. Où il n'y aura plus la mer qui avale. Où il n'y aura plus de dévoreurs. Où il n'y aura plus de choses bizarres. Non, tu vas prospérer. Amen. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Amen. Et ce soir, tu vas boire. Amen. Je dis, tu vas boire des miracles. Amen. Tu vas boire des miracles. Amen. Tu vas boire. Tu es en train de boire. Amen. Les choses que je suis en train de dire là, Amen. Je suis en train de te donner à boire. Amen. Je suis en train de te donner à manger. Amen. Mais une nourriture qui n'est pas de ce monde. Amen. Tu vois, Élie a mangé quelque chose que les hommes ne mangent pas. Mais quand les enfants de Dieu entrent dans la présence de Dieu, Dieu leur donne une nourriture. C'est pour ça que David va dire, tu dresses devant moi une table. Mais David a oublié des cris. Tu as mis sur la table une nourriture qui me donne la force, qui me bénit, qui me rend capable de tuer les Goliaths, de faire ce que les saluts ne peuvent pas faire.
ciel, amen, le pain de la vie, amen, et tu vas faire ce que les saluts ne peuvent pas faire. Amen. Là où les saluts ont échoué, toi tu ne peux pas échouer. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de la réussite. Amen. C'est l'heure de ta réussite. Amen. C'est ton temps de régner. Amen. C'est ton temps, mon frère, je te amen dis. C'est ton temps d'être élevé. Amen. C'est ton temps de connaître la gloire. Amen. C'est ton temps de vivre la puissance de Dieu. Amen. 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 Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus a été glorifié. Aujourd'hui, Jésus a été glorifié. Il a souffert. Il a été méprisé, il a été abandonné, il a été traité de tous les noms. On a craché sur lui, lui le juste, celui qui n'a jamais péché. On lui a dit que tu es possédé. Oui, mon frère, ne t'étonne pas. Jésus même a dit, si on a fait ces choses au bois sec, au bois vert, comment, combien plus fortes raisons ne les feront-ils pas au bois sec, tu vois? S'ils m'ont traité de Belzébul, ils vous traiteront aussi de... Non, ne t'inquiète pas, ma soeur. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Mais je connais quelqu'un qui a été humilié. Humilié jusqu'à la mort, excusez-moi. Il était comme une brebis destinée à la boucherie. Là où il pouvait parler, il s'est laissé faire. Il a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche. Il a laissé les hommes. Ils l'ont critiqué. Ils ont parlé sur lui. Ils ont flagellé. Mais tout cela, il ne savait pas que ce qui était destiné à toi, le châtiment qui devait tomber sur toi et moi, c'est ça qu'il portait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Jésus, ici on dit, il n'était pas encore glorifié. Jésus dit, si le grain de blé qui tombe en terre meurt, il ne peut pas porter de fruits. Oui. Mais s'il meurt, il portera de fruits. Jésus s'est laissé faire. La Bible a dit, il a souffert une mort honteuse, mais il a accepté de porter l'opprobre, de porter la honte. Il a fait pour toi, il a fait pour moi. Amen. La Bible a dit, il a été humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé. Dieu le prend devant tous les esprits, devant tous les anges. Oh, j'aime ce spectacle. Le Père se lève sur son trône. Il dit, mon héros vient. Mon héros vient. Celui qui a fait ce que aucun ange ne pouvait faire. Les archanges ont fui. On a dit, qui est digne de prendre le livre au Saint-Esprit? Qui pouvait venir au secours d'André? Qui pouvait venir au secours de Carlé? Qui pouvait venir au secours de Karine? Qui pouvait venir au secours de mon frère, ma soeur? Mon frère, je te dis, personne n'a accepté. Les anges ont dit, non, on ne peut pas. Oui, personne n'a voulu. Mais il y a un homme qui s'est levé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit qu'il a sept cornes et il a sept cieux. Il a dit, Père, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire que c'est moi que tu avais préparé. Alors, Père, je viens. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Il dit, je donne ma vie. Personne ne peut me l'arracher. Mais c'est moi que je l'ai donné. Alors, je me demande, s'il a donné sa vie de sa propre volonté, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Je répète. Amen. Amen. S'il a donné sa propre vie de son propre gré, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Je vais te dire, Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Amen. Jésus sait, le Saint-Esprit sait. Amen. Il Amen. Connaît Amen. Là où tu viens et où il va t'amener. Amen. Il sait où tu dors. Amen. Il sait quand tu te lèves. Amen. Et ce soir, c'est le dernier jour Amen. De ton temps de malheur, ton Amen. Temps de tristesse. Amen. Ce soir, c'est un grand jour Amen. De fête dans le royaume des cieux. Amen. Les anges célèbrent. Amen. Un ange célèbre. Amen. Une étoile qui se Amen. Réveille. Amen. Une étoile qui se lève. Amen. Une terre qui commence à produire. Amen. Une terre qui commence à germer. Amen. Et cette terre, c'est toi. Amen. Cette étoile, c'est toi. Amen. Ce soleil, c'est toi. Amen. Je dis que
ce ciel, c'est ta vie. Amen, amen, amen. Jésus meurt souverainement élevé. Il a donné sa vie. Lui-même, il a donné sa vie. Et s'il sait ce qu'il fait, c'est qu'il a fait pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi. Ce quelqu'un, c'est moi. Jésus n'est pas mort au hasard. Jésus n'est pas mort pas au hasard. Non, il savait. Il t'avait vu. Il m'avait vu. Il nous a compté. Amen. 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 Sylvana, Lucilia, je vois. Il a compté son nom. Amen. Il a compté les Ruth. Il a compté Karine. Il a compté les Clarisse. Il a compté Gabriela. Il a compté Julien. Il a compté ton père et ta mère. Amen. Il a compté tes enfants. Il n'a oublié personne. Amen. Il n'a oublié personne. Il a regardé dans les temps à venir. Il y a plus de 2000 ans. Tu imagines, toi et moi, on n'était pas encore nés. Mais il a vu de loin et il nous a compté. Amen. Il a écrit nos noms. C'est pour ça qu'il a dit, il ne nous appelle pas notre nom. Amen. Il te connaît, il connaît ton nom. Amen. Il a inscrit ton nom. Amen. Sur tous les bénéficiaires. Amen. Parce qu'il y a une liste de ceux qui peuvent bénéficier. Amen. De cette Amen. Grâce dont je parle ce soir. Amen. Je dis que cette loi que j'établis ce soir, elle n'est pas réservée pour tout le monde. Amen. C'est vraiment pour des gens spéciaux. Amen. Parmi une autorité spéciale. Amen. Qu'on amène Amen. Cette grâce. Alléluia. Amen. Alors Jésus a écrit les noms et il t'a pas oublié. Amen. Oh, je dis, il t'a pas oublié. Amen. Comme on a chanté ce soir, il t'a pas oublié. Amen. Il a écrit ton nom. Amen. Il a dit, Père, voici la liste. C'est pour Amen. Eux. C'est pour. Et c'est pour. Et c'est pour. Et je ne mets pas pour tous. Il a dit dans Jean 17, ce n'est pas pour eux tous que je prie. Ce n'est pas pour tous les hommes que je prie. Non, mais je prie pour une race. Je prie pour des gens pour qui j'ai écrit le nom. Amen. Il va être glorifié. Et comme Jésus est glorifié, alors toi aussi, ce qu'il a promis, tu vas le vivre. Amen. La Bible dit qu'il parlait de l'esprit qui allait descendre dans la vie de ceux qui auront cru. Et ce soir, je dis qu'il y a une activité spirituelle Amen. Du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, en fait, le Saint-Esprit, quand il décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le comprendre. Amen. Personne ne peut le limiter. Amen. Il est le Dieu illimité Amen. Qui fait des actions illimitées, Amen. Qui fait des miracles qui étonnent la raison de l'homme, la sagesse des hommes. Dieu, le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, a commencé quelque Amen. Chose ce soir Amen. Dans ta vie, dans ta famille. Amen. Mon frère, garde la soif. Oh, dis, je garde la soif. Je garde la soif. Car il y a une grande chose. Il y a de grandes choses. Il y a des grandes choses. Il y a une terre. Il y a une terre. Il y a une terre. De prospérité. Qui m'est réservée. Qui m'est réservée. Et le Père a dit, c'est fait. Amen. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a parlé. Et il dit à l'ange, il dit à l'apôtre Jean, qui est aussi l'ange, qui est aussi un ange. Il lui dit, c'est fait. Dis-le que c'est fait. Tout ce que j'ai dit là, c'est fait. Parce que mon fils est mort. Amen. C'est fait. Pour ceux dont les noms sont écrits dans le Amen. Livre, écrits Amen. Sur le rouleau, c'est fait. C'est Amen. Fait. Ça commence ce soir. Amen. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Et nous Amen. Allons le vivre Amen. Au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Ça commence maintenant même. Amen. Ça commence ce soir. Amen. En vrai. Le changement Amen. Dans ta destinée. Amen. Dans ta vie. Amen. Personne ne peut t'arrêter. Amen. On ne te refusera plus rien. Amen. Là où tu vas frapper, je dis ça va s'ouvrir. Amen. Je dis on ne pourra plus te dire non. Amen. Parce que celui qui s'appelle oui, il entre en action dans ta vie. On a dit que en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui. Je dis que partout tu iras, on va te dire oui. Amen. Je te dis oui. Alléluia. Je dis que tu t'appelles oui. Amen. Je dis que tes projets sont oui. Amen. Je dis que tes activités sont oui. Je dis que tes démarches sont oui. Amen. Je dis que c'est oui. Oui. Tu ne rencontreras oui. pas de non. Amen. Même les géants vont te dire Amen. Oui. Même les autorités te diront
Si c'était même un ange, on peut comprendre. On va dire, bon, c'est quand même un ange. Mais ici, celui qui a parlé est plus qu'un ange. Amen. C'est celui dont il est écrit. Le Père a dit, lorsqu'il a introduit le Fils dans le monde, que tous les anges l'adorent, se prosternent. C'est-à-dire, celui dont il est question, c'est celui devant qui tous les anges, tout le monde se prosterne. Il est le chef de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute gloire. La sagesse infiniment variée de Dieu. Il est élevé et exalté dans les cieux. Il est assis sur son trône très élevé. Et il règne au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Des anges, des pouvoirs, des autorités, au-dessus de tout ce qu'on peut nommer dans le siècle passé, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore un nom qui peut t'arrêter, mon frère, parce que tu portes le nom qui brise tous les autres noms. Oh, je déclare une action de puissance dans ta vie. Je dis qu'il y a un nom qui est en toi qui brise tous les autres noms. Amen. Ton nom, c'est oui. Amen. Le nom qui est en toi, c'est oui. Et ce nom brise les noms. Amen. Je dis que ton nom, c'est le nom de oui. C'est ce nom-là, le nom de Jésus, c'est oui. Parce que toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et amen. Et le nom que tu portes, c'est oui et amen. Et c'est le nom qui brise tous les noms. Les noms du passé. Les noms qu'il y a eu dans la vie de tes ancêtres. Ce soir est une soirée spéciale. Amen. Oh, et même les noms qui vont arriver, toi tu portes le oui. Amen. Devant le oui, il n'y a pas de nom. Amen. Tu es le oui qui vient du ciel. Amen. Tu es le oui de Dieu. Amen. Ce n'est pas le oui des hommes, Amen. Mais c'est le oui de Dieu. De celui qui a dit j'agirai, il s'y opposera. Qui pourra me dire non? Amen. Qui pourra me dire que fais-tu? Amen. Qui pourra me dire pourquoi tu as parlé? Il a dit j'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Qui pourra lui dire pourquoi il t'a aimé? Ah, c'est la grâce de Dieu. Il y a une grâce spéciale, une grâce de miracle, de faveur, de transformation, de changement. Oh mon frère, je t'aime. Amen. Le Dieu de miracle, de Jésus. Mon frère, Jésus-Christ, je t'aime. Ton changement est arrivé. Amen. C'est fini, ton histoire a changé. Ton histoire a changé ce soir. Tu es en train de briller de mille éclats. Amen. Tu es en train de briller. Amen. Ton visage brille. Amen. Plus que Moïse. Amen. Ton visage brille. Brille, 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 brille. Oh, l'huile est en train de couler sur toi. L'huile est en train de couler sur toi. L'huile est en train de couler sur toi. L'huile de Dieu coule sur toi. L'huile coule sur ta vie. Et sur ton mari, et sur ta famille, et sur tes affaires, et sur tes finances, et sur tes démarches, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aime la voix là où tu es, et commence à bénir le nom de Dieu. Dis Seigneur, je te bénis pour ce que je porte. Je porte une soif. Je porte Jésus, je porte Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis un ange de Dieu. Je suis une lumière. Je suis une étoile. Une étoile brillante. Je suis une étoile éclairante. Une étoile qui éclaire. Je suis une étoile majeure. Je suis une étoile majeure. Seigneur, oui, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, au milieu des ténèbres, Seigneur, je prie, Seigneur, je prie, Jésus. Voici ta terre, voici ta terre, voici ta terre, tu vas prospérer. Dieu a dit, Isaac, devant les ennemis, Dieu me met au large ce soir. Mon frère, ma soeur, oh, je t'aime de la main de Jésus, et mon Dieu t'aime, et mon Dieu te met au large. Tu vas voler comme les cerfs. Là où il y a beaucoup de bénis, tu vas voler. Tu vas surpasser les problèmes et les difficultés. Oh, tu vas surpasser les problèmes et les difficultés. Je te vois en train de voler. Tu vas aller vite.
tu vas aller vite, tu vas aller vite, ta réussite ira vite, ton succès ira vite, oh, tu vas monter vite, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur, j'ai béni ton nom pour la lumière, j'ai béni Seigneur Jésus pour les nombreuses miracles que tu as opérés ce soir, Seigneur de gloire. Merci pour cette soirée de gloire, merci pour la puissance du nom de Jésus, merci Seigneur Jésus, parce que le oui a brisé tous les mondes passés, au nom de son Dieu Jésus. Seigneur, merci pour cette paix, merci pour cette paix, au nom de Jésus, nous sommes amen.